Eh bien oui, bienvenue sur Pied Éternel en ce lundi 3-9, 3-6-9, septembre, jour de grâce du réveil de l'esprit de Men in Black 18. Éclairage est super. Nous assistons à un mariage de nuages. Carte de mémoire de l'eau. Alors, de retour du futur, je vais vous expliquer à présent ce qui va se passer. Et ben, ça y est, c'est lundi, c'est en là. On s'accorde, planétairement parlant. Début de la semaine de la révolte, voilà. Révolte planétaire. À partir de ce moment-là, on commence à ne plus payer aucun impôt, aucun rien du tout. Un gouvernement corrompu. Parce que ça c'est fini. L'ancien temps va s'en aller. On va faire des lois votées par, pour et avec les peuples sur toute la planète. Rétablir la justice. Je vais aller voir dans le futur, dis donc c'est pas beau. Et dans le passé, il faut que j'aille voir tout en camion pour lui dire qu'on va le faire tout en camion pour dire à leurs petits-enfants. Ce qu'on gaspille en France. Plus tu vas travailler, plus tu vas faire niquer. C'est ça. C'est exactement ça. À 50 balais, je vais aller bosser pour 1080 euros. Un petit peu pour tout le monde quand même. Et je vais aller faire mon film avec les alcooliques et les drogués. Je fais du théâtre, je joue le prophète et je joue le corbeau et le renard. Pas mal, non? Version populaire. Voilà, voilà, c'est un fantastique lundi à retenir dans les annales. C'est de là que ça part, c'est comme ça, puis c'est tout. Révolte planétaire, grève planétaire. Pour pas commencer encore l'an ou un pire de l'Empire. De tout, pour faire un sol très riche, pour faire des millions de très pauvres. Ça va pas du tout cette histoire. Envoyé spatial pour Pied Éternel. Patch salut. Inch'Allah, men iraim. Tout ira bien dans l'espace-temps. Une insurrection pacifique façon Stéphane Hessel. Poète.